Salut tout le monde, c'est Lucala. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ah, au D3 fait, je suis un modèle Picanium. ST200. Enfin, ça peut-être vous intéresser de le savoir. Mais tu peux fermer ta gueule, merci beaucoup. Donc on est sur D3 Picanium et on va faire une nouvelle partie direct. Commencer une nouvelle partie, une nouvelle histoire. Du temps, ok. Allez go. Donc je voulais vous le faire en vidéo. Donc ça se passe en 2000, en 2050. On est dans le futur et voilà. Donc moi je voulais faire mon histoire à ma façon en vidéo et vous la montrer. 15 août 2038. C'est même pas. Ah oui, c'est pas 2050, c'est 2038. Excusez-moi. Interview. Double face, c'est le mec ici. Et double face, wesh. Le négociateur vient d'arriver. Je répète, le négociateur vient d'arriver. Ok. Déjà, il y a un sacré bazar. John Phillips, Caroline Phillips, Emma Phillips. Ok, ensuite. Oh, le poisson. Je vous en prie, vous devez sauver ma petite fille. Quoi? Vous avez envoyé un androïde? Venez, madame, vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez envoyer un véritable être humain. Mais je suis humain, madame. Je suis humain. Madame, même si je suis pas humain, c'est raciste ce que vous faites. Allez, va dans ton petit aquarium, petit poisson. La 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 la. Trouvez le commandant Allen. Friser le temps. Regarde, les gardes, ils bougent même plus. J'en ai rien à battre. Mes hommes sont prêts à intervenir. Suffit de mélanger. C'est lui, je pense. Commandant Allen, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu deux de mes gars. On pourrait facilement le descendre, mais ils sont sur le rebord de la terrasse. S'il tombe, elle tombe aussi. Connaissez-vous son nom? J'en ai aucune idée. Ça change quelque chose? J'ai besoin d'informations pour déterminer la meilleure approche. Savez-vous s'il s'est déjà comporté étrangement auparavant? Écoute. La priorité, c'est de sauver cette gamine. Alors occupe-toi de ce putain d'androïde, ou c'est moi qui m'en occupe. Ok, priorité de réussite. Ok, en gros, la propre. En fait, je vous ai expliqué un truc. Sauver, comprendre ce qui se passait, sauver l'otage à tout prix. Bon, on s'en fout. En gros, je vais vous expliquer. En gros, la priorité de réussite, c'est en gros, faut atteindre 100%. Sinon, on n'y arrivera pas. Alors. Black White M6 M8 53 capacité 17 balles. Ok. Si je pense que c'est les balles. Ouais. On va reconstituer. Donc ça, je pense que c'est l'androïde. Enfin, le déviant. Qui a pris l'arme du père. Ouais. Donc la scène a commencé par ici. Je crois qu'il devait être tranquillement posé.
Oh putain de merde. C'est quoi ça? C'est qui? On va le scanner. John Phillips, oh putain de merde. C'est le père. Fais chier. Ok, je pense que ça c'était le père. Le père se dit quelque chose. Ok, là il y a le déviant. Une balle, deux balles. Wow. Attends, non, ça fait trois balles. C'est. Wow. Ah ouais, carrément. C'est quoi ça? Il voulait remplacer l'android, je pense. Il y a des problèmes. Wow! Wesh! What the fuck? Oula! Wow, l'android de Devian, il doit être. Ouais. Il doit être. Il doit être violent. D'accord, ils sont direct de la prise d'otage. Ah les bâtards. Je vais aller voir dans la... Par là. Alors, la chambre de la fille, c'est là, je pense. En gros, elle a pas entendu quand le père il s'est fait buter, quoi. Qu'est-ce que c'est, quoi? J'ai tout fouillé, pas les couilles. Daniel, c'est ça le nom du Devian. Il s'appelle Daniel. L'officier de police a été promis sur la okay. Donc je crois que l'officier Anthony Descartes est mort. Hein. Clairement, il s'est pris une grosse balle. Ouais, blessure par balle de calibre. 9 mm. C'est pas ça. Résidu de poudre. Normal, il y a une arme. Le policier a tiré sur le déviant. Ah d'accord, c'est pour ça qu'il y a une tache sur le mur. Ok, une balle. L'otage a assisté la fusillade. Oh putain de merde. Ok, le mec il a volé et son arme l'a volé là-bas. L'arme localisée.
baissez, je vous dis. Partez ou je saute. Oh non. Wesh. Loi du droit public sur les androïdes 2029. Le port d'utilisation d'armes pour les androïdes sont strictement interdits. Ah d'accord, on n'a pas le droit d'avoir des armes. Enfin, les androïdes n'ont pas le droit d'avoir d'armes. On va pas la prendre quand même parce que ouais. Ah oui, là il peut analyser quel est le modèle de l'Android. C'est un PL600. Ok. Ensuite. C'est quoi ça? Chaussure de. L'otage est peut-être blessé. Bon allez, je crois qu'on en a assez. On va sortir, c'est parti. Ok. Fais pas un pas de plus ou je saute. Non, ne fais pas ça, je t'en supplie. Tu es à moi, beau connard. Bonsoir Daniel. Comment? Je m'appelle Connor. Comment tu connais mon nom? Je sais beaucoup de choses sur toi. Je viens de sortir de ce mauvais pas. Ok. Je sais que tu es en colère, Daniel. Mais tu dois me faire confiance. Je suis là pour t'aider. Je veux pas de ton aide. Personne ne peut m'aider. Je voudrais juste que tout s'arrête. Le même putain mec dans la piscine. Il voulait te remplacer par un autre androïde et ça t'a contrarié. C'est bien ce qui s'est passé. Je pensais faire partie de la famille. Je croyais que je comptais. Mais c'était que leur souhait. Un objet qu'on jette une fois qu'on l'a utilisé. Il perd du sang. Si on ne le conduit pas à l'hôpital, il va mourir. Tous les humains finissent par mourir. Quelle différence si celui-ci meurt maintenant? Je vais lui poser un carreau, d'accord? Ne touche pas. Touche-le et je te tue. D'accord. Je sais qu'Emma et toi étiez très proches. Tu penses qu'elle t'a trahi, mais elle n'a rien fait de mal. Elle m'a menti. Je croyais qu'elle m'aimait. Mais j'avais tort. Finalement, elle est comme les autres humains. Non, non, s'il te plaît, la tue pas. La tue pas, mec. La tue pas. Écoute. Je sais que ce n'est pas ta faute. Ces émotions que tu éprouves ne sont que des erreurs dans ton programme. Non. C'est pas ma faute. J'ai jamais voulu ça. Je les aimais. Tu vois. Mais c'était rien à leurs yeux. Non. Arrête, arrête. Si on donne des ordres. Je peux plus supporter ce bruit. Fais dégager cet hélicoptère, maintenant. Ok, ok. Ouais, vos connards. Voilà, comme tu l'as demandé. Dernière chance. Je suis ta dernière chance, Daniel. Si tu la laisses tomber, ils te tueront. Libère l'otage, tu n'as pas d'autre choix. Je veux que tout le monde s'en aille. Et je veux une voiture. Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir. Trouver un compromis. Ce n'est pas possible, Daniel. Libère la fille, et je te promets qu'on ne te fera pas de mal. Je veux pas mourir. Tu vas pas. Rassurer. Tu
tu ne vas pas mourir. Nous allons simplement discuter. Il ne va rien t'arriver. 100%. Tu as ma parole. Yes. 100% les gens. Ok. C'est quoi? Je te fais confiance. Laisse la fille au calme. Je vais la blesser. Wow! Ah oui. Oh sa mère. Tu m'as menti, connard. Tu m'as... Ah parce que t'es con. J'étais obligé, désolé mec. Mission accomplie. Je suis trop fort moi. Ah. Wow, c'est trop moche. Voici l'arborescence de Sens. Ok. Donc en gros, vous voyez que j'ai déjà fait des autres parties. Donc Connor plonge pour rattraper. Voilà quoi. Et j'ai choisi encore des snipers. On a abattu le défi. Ou aussi, on pouvait le tuer. Je l'ai déjà fait, mais voilà. Hop, continuez. 5 novembre 2038. Cyberlife. C'est un assistant ménager haut de gamme. Coucou. Il connaît 10 000... Comment tu vas? Allez Zoé, on y va. Ça va? Tranquille. Et vérifie les devoirs des enfants de l'école primaire jusqu'aux études supérieures. Wow. Salut copine. Mon cœur. Salut pote, ça va? Tranquille. Tâche ménagère habituelle. En ce moment, nous faisons une promotion spéciale sur toute la gamme. Je peux vous présenter. Il est carrément des androïdes qui vendent des androïdes. Alors vous allez trouver ça chelou, mais... Des androïdes qui vendent des androïdes. Non, c'est bizarre. Combien coûte celui-là? Le prix du MP800 est un peu plus élevé, mais il inclut beaucoup d'autres fonctions. Mais je peux vous le montrer par exemple. Je vais la prendre en fonction. J'ai pas trop sa tête. Et voilà. Ça n'a pas été facile de la remettre en état de marche. Elle était vraiment amochée. Vous dites qu'il est arrivé quoi déjà? Une voiture l'a renversée. Un accident stupide. Ah, je vois. Enfin bref, elle est comme neuve maintenant, sauf qu'on a dû la formater. En gros, on lui a effacé la mémoire. J'espère que ça vous va. Ça va aller. Ok. Vous lui avez donné un nom? Ma fille, oui. AX400, enregistre ton nom. Kara. Je m'appelle Kara. Ok. Sunny nous présente Quintigré. Wow, oh la vache. C'est trop beau. Je vous laisse la suite, je me tais. De vouloir à cause des androïdes. Du coup, il s'est retrouvé à la rue.
c'est des maisons brûlées. Ah. Nous allons contrôler un autre androïde. À ce que je vois. Vous voulez rentrer à la maison maintenant? Oui, Rose. Oui, ça devrait suffire pour aujourd'hui. Voilà. Attendez que je vous aide. Oui. Ah, merci, ma chérie. Carrément. Il y a plein d'androïdes. Et c'est le parc aux androïdes. Voilà. Wesh. Et c'est son code. C'est son coach personnel. Hey, de l'eau. Vous avez couru 20 km. Encore 8 pour atteindre votre objectif. Oh ouais. Puis ils se remettent à courir. Ok. On va attendre que ce soit, ouais, que ce soit vert pour passer. Là, c'est vraiment beau. Ouais, putain. Ah oui, si maintenant, regarde. Moi, au début, je croyais que c'était un bug quand les voitures ils se prenaient comme ça. Non, pas du tout, c'est pas un bug. C'est genre vraiment les voitures ils se mettent comme ça. Encore un Android qui balaye. Ok. Je joue de la guitare quand même. Une par les androïdes. Je crois que c'est ici que je vais aller. Je vais aller au magasin pour aller chercher un truc. Hop. Identification vérifiée. Voici. Merci. Votre commande numéro 847. Ça fera $63.99. Merci de confirmer. Ou 64, quoi. Paiement confirmé. Transaction effectuée. Allez hop. Je me barre. Ouais, c'est mieux comme ça. Les androïdes qui remontent comme ça maintenant. Ça me dégoûte. Il n'y a plus de travail à cause de la nuit. Qu'est-ce qu'on veut? Quand est-ce qu'on le veut? Maintenant! Qu'est-ce que... Tu vas où comme ça, t'as de ferraille? Oula. Sans déconner. Hé, hey, tout le monde, regardez ça, on a un tas de ferraille par ici. Regardez-moi ce petit fils de pute. Tu voles notre taf, mais tu peux même pas tenir debout. Allez, allez, toi, ouf, les patards. Voleur d'emploi, virez-le à coup de pompe. T'as nulle part où aller. On va te défoncer, ta petite gueule. Ouais, démonte-le. Vas-y.
Ok. Ça suffit. Laissez-le tranquille. On lui donne une leçon à ce fumier. Si vous l'abîmez, vous aurez une contravention. C'est votre boulot qu'ils prendront ensuite. On verra si ça vous plaît. Ok. Allez, circulez. Le bus. Ok. Et on dirait que c'est comme au temps des Noirs là, quand les Noirs ils devaient rester debout. Et qui devait pas s'asseoir avec les blancs. Putain. En tout cas, le jeu est très bien fait. Cyberlife. Trop beau. Moi, bah, je crois qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. C'était peut-être une courte vidéo, mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était le cas là. Pensez au pouce bleu, surtout à vous.